Bien bonjour. Alors, à tout moment, des 10 camarades Césarus, un grand merci parce que l'entourage qu'il fait là, à si ça nous a prié les crimes coloniaux et il n'a pas fini l'islam long, c'est important pour nous de connaître ça qui a passé ici dans et ça qui a passé ici dans. Depuis toujours, dans les luttes sociales, dans les manifestations, ils ont tiré Simon, ils ont tué Simon, ils ont criminalisé Simon pour faire passer pour malfaiteur. Victime là, toujours passé pour malfaiteur. Et c'est comme ça, nous voyons depuis novembre, décembre, ils ont arrêté plus de 200 Simon en Guadeloupe. Moun tapé coup, yo kaze moun, yo emprisonné moun, et j'en dis là, yo ka faire passer pour bandit, semaine prochaine, on convoquer tribunal. Tout ça, pour chercher à faire nous passer pour des bandits. Et c'est ça, yo toujours fait. Nous voyons chantier à CHU à Dokemar. Avec les élus guadeloupéens, c'est la corruption. C'est la corruption. Avec l'État français, c'est la corruption. Et j'en dis là, il y aura tous les semaines, il y aura dit nous, ouais, un jeune, je suis un jeune, un jeune, je suis un jeune. Mais si il n'y a pas de travail, si il y a en formation, est-ce qu'il y a quelqu'un là, oui, là? Mais c'est ça, la question fondamentale là. Et tout ça qui a fait ici, là, il a fait avec complicité à la bourgeoisie guadeloupéenne et particulièrement les élus guadeloupéens. Alors, bien évidemment, toujours Nyon qui Kevin dit, ouais, mais pas qu'on les autres là. En différent, en sortie, vivait en tout neuf. Depuis 1848 que le droit de vote a existé. Alors c'est la première fois que nous dévoyons qu'à sortir avec Kazi, il a fait militaire. Depuis deux ans, combien élus guadeloupéens, sénateurs, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers généraux, conseillers régionaux, combien qui prend position pour défendre les soignants? Combien qui prend position pour défendre les médico-sociaux? Combien qui prend position pour défendre les pompiers? Combien qui prend position pour tout le monde qui est en difficulté? Combien qui prend position pour défendre Guadeloupéens qui est victime de chlordécone, qui est victime de manque d'eau, qui est victime de toute situation que nous avons en difficulté? En seul moment que nous attendions, c'est l'air dans l'opposition. Une fois y'a dans l'opposition, aïe mon Dieu, ça le plan avait là par bon, mais une fois au pouvoir, pas vrai. Juste pour finir, vous savez qui a passé les questions au gouvernement? Premièrement, il faut aller au groupe parlementaire de plus de 20 ou 30 membres. Un. D'accord? Deuxièmement, faut, si on a une question à poser, il faut passer par le responsable du groupe parlementaire pour y dire qui question d'intention posée. Et après ça, on peut rédiger, on peut vérifier est-ce que la question là, ça, on peut poser. Quatrièmement, il y a même des questions là, ça. Ou commission là qui a transmis le gouvernement là, qui a préparé les réponses là et joue à audience de plat, ou pas venir faire cinéma, ou pas poser question là. Et après, le président a dit, on passe la parole là, au ministre de l'Activité et il a venir faire cinéma pour pouvoir répondre aux questions qu'il a mis depuis deux semaines dans le bureau. D'accord? Alors pour nous, pas pour nous, mais pour nous. Alors c'est pour ça, camarades. Ça nous y a fait, c'est rester en genouillé là et participer à toutes les mobilisations. Toutes les actions de mobilisation qui n'est, que ce soit les meetings, que ce soit les conférences, que ce soit l'assemblée, que ce soit les mobilisations, les lacours santé et d'autres manifestations des camarades qui ont organisé. Et surtout, porter solidarité sur le piquet de grève parce que les camarades ont besoin de solidarité. En seule moralité, je vous remets à genoux et je vous remercie. Merci camarades.